C'est mon petit cœur. T'es bien là. Waouh. Et toi mon lapin. Waouh. Trop trop bien là. On est maximum. Voilà, qu'est-ce que tu veux de mieux? Oui. Voilà. On se régale, petit instant glace. Montre-moi ta glace, copain. Ouais, se régale. Passe une bonne après-midi, qu'est-ce que tu veux de mieux, bon. Bon, comme vous avez pu le suivre, du coup, l'éléphant, ce week-end, on l'a emporté avec nous. Donc, il a été avec Spider-Man. Bon, là, je suis en train de réimprimer parce que ça a coupé. Il a été pour l'anniversaire. Il a été dans la voiture. Il a été dans la piscine sur le dinosaure. Il a fait de la peinture. Il a fait pas mal de choses. Donc là, je vais tout découper, tout mettre dans le petit livre pour le ramener demain, l'éléphant. Et comme ça, le prochain élève pourra le ramener et lui aussi faire vivre une expérience à l'éléphant. On l'a oublié aujourd'hui à la piscine, mais bon, ça faisait deux fois piscine, donc ça va. Mais il a bien kiffé ce week-end d'éléphant. Tom, il s'appelle Tom ou Tam. Et voilà, donc, tout est en train d'imprimer, tranquillou. Je suis en train de serrer depuis tout à l'heure, je fais que l'imprimer, ça coupe là-haut, après ça coupe là, je mets dans l'autre sens, la tête coupée, je suis en train de serrer. Des chewing-gums. Tu veux des chewing-gums? Oui, une machine de chewing-gums. Une machine de chewing-gums. Alors, si je trouve ça, je te ramènerai peut-être un petit peu des chewing-gums, ok? Ouais, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Je vais essayer de t'en trouver partout des chewing-gums. Merci. Mais attention, je... Tu écoutes papa, tu me promets? Oui, promis. Tu me promets, ok. Tu on me se mange... regardes ce soir, elle s'en va, madame. Je te vois dans toutes les caméras. Elle part en vacances avec sa famille. On a beaucoup de caméras. C'est les adieux. Enfin, c'est les au revoir. Oh, j'ai oublié de prendre mon médicament d'allergie ce matin. Quand j'oublie un jour, je le sens direct. Grattage de sourcils, œil qui brûle, qui pique, nez qui coule. Oh. C'est fou, hein, cette allergie. Moi je suis trop bizarre, je suis allergique aux chiens, j'ai des chiens, ça fait 7 ans, je suis bizarre. Et voilà, on y est, dernier repas, après ma femme s'en va, pendant une semaine elle part avec ses parents, on voyage trop bien, et donc du coup elle va manquer. Hein. Tu vas manquer. D'ailleurs je t'ai dit non. Mais à chaque fois je te dis ça, mais après quand tu pars tu manques. Après, tu connais, je suis le mec au début. Après, quand tu passes la porte, tu te dis merde, je dors seul en fait. Déjà, ce soir, je dors seul, je suis dégoûté un peu. Mmh. Allez, ma femme vient de partir. Je vous dis bonne nuit, à demain. Je vais aller me reposer, je suis KO. Elle revient dans une semaine, ça va vite passer. Voilà, je peux pas regarder Lupin parce qu'on s'attend pour les séries, on se trahit pas. Je vais me mettre One Piece du coup. Voilà, je vous dis bonne nuit, à demain. Et bonjour à tous, écoutez, j'ai passé une superbe nuit. Alors non pas parce que j'étais pas avec ma femme, mais tout simplement parce que je me suis endormi très tôt. Donc à 21h30, 22h, je dormais. Donc 22h jusqu'à maintenant, 6h40, on est en forme. C'est Mylon qui est venu me réveiller carrément à 6h36, réglé comme une horloge. Il est arrivé dans le lit. Il m'a dit, je me rendors avec toi. J'ai dit, ben on va se rendormir que 4 minutes là, parce qu'il faut se réveiller pour aller à l'école. C'est quoi 6h36? C'est l'heure où t'es arrivé dans le lit, t'es terminé. Donc voilà, je vais mener Mylan à l'école avec Tom, donc le retour de l'éléphant, ça y est, j'ai tout collé hier, et voilà, je vais vous montrer. Et voilà, une nouvelle semaine qui commence, donc sans maman, et maman qui rentre donc, la semaine prochaine. Donc, non, les jouets, non Mylan, allez, on va à l'école. Allez, on s'habille, on se prépare, c'est parti, et on reprend la semaine tranquille. Bonne semaine à tous. Allez, Mylan déposé à l'école, je rentre à la maison. Je m'occupe de Liwen, je l'amène à l'école. Et ensuite, je m'occupe de moi. C'est parti. Alors, au programme, je vais aller au sport. Ensuite, je vais aller à la cryo. Ensuite, j'ai cours de boxe. Et ce soir, j'ai foot à 20h30. Donc, c'est une bonne journée chargée bien en sport. Donc, ça, je parle du côté sportif. Après, j'ai pas mal de tables. J'ai quelques rendez-vous téléphoniques aussi. Et voilà, donc ça va bien le faire. Ça va laisser les journées. De toute façon, on passe à une allure à chaque fois. J'ai même pas le temps de respirer que déjà la journée est terminée. Et là, j'ai passé une bonne nuit de sommeil donc
C'est bien le cerveau, il est prêt à attaquer le monde. Motivation. Je suis en train de faire le T-Shock. Alors, le T-Shock, c'est quoi? Ça vient brûler les graisses en profondeur. En fait, c'est un coup froid, très froid, un coup très très chaud. Du coup, ça fait pas mal. Et franchement, un complément de sport et tout, c'est vraiment très sympathique. Voilà. Deuxième séance, j'ai quand même pas mal à perdre. Hein. Toujours pas trop perdu depuis cet été. Fais attention sans trop faire attention. Et bon, ça va. Moi, je sais que j'ai une morphologie à maigrir vite, donc je fais attention une semaine ou deux, je maigris direct. Donc, no stress. Et en ce moment, je m'en fous un peu, en vrai. Petite pause déjeuner. Voilà. Je suis sûr que je suis mieux mangé sans ma femme, je sais pas pourquoi. Juste parce que je me le suis dit, du coup je vais le faire. Non, parce qu'elle me fait souvent.